Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, on va faire la Honda Civic Hatchback Sport Touring 2022, différents formats parce que je n'ai plein mon casse à faire du montage, on va le faire de cette façon. Ce véhicule vient avec un moteur 180 chevaux et 177 livres de couple avec un 1.5 litre turbo. Le modèle de base, il y a le 4 cylindres, pas de turbo. Ce véhicule vient avec des 18 pouces, suspension indépendante. Tous les modèles sont disponibles avec la CVT ou une 6 vitesses manuelle, soit dit en passant, elle est écœurante. Le Honda Sensing Suite, disponible sur tous les modèles. Avec le manuel, tu as le cruise dynamique. Avec la CVT, tu as le cruise dynamique à basse vitesse. L'avertissement trafic arrière seulement sur le Touring. Honda toujours cheap avec cette option-là, mais tu as une caméra de recul. Il y a des LED partout. Il y a un écran digital de 10.2 pouces dans le tableau de bord. On a ici l'infodivertissement de 9 pouces. On a climatisation bizone. On a chargement d'appareils téléphoniques sans fil. Le manuel a 8.5 litres en ville. La CVT 7.7 litres en ville. Les deux font 6.3 sur l'autoroute. Le volant gainé de cuir est chauffé. Les bancs de cuir sont chauffés. Il y a le système audio Bose. Grosse amélioration pour Honda. Ils ont toujours des systèmes de son cheap. Et puis, tu as un écran, bel écran 9 pouces, facile à utiliser. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est déjà rendu à la 11e génération. Oui, monsieur. Et puis, pour cette 11e génération-là, bien, on a la version berline. Et pour notre modèle d'essai, la version hatchback. Ouais. 4 portes hatchback. Top Safety Pick Plus, selon les DHS. Fait que véhicule très sécuritaire de ce point de vue-là. La braquette de prix, bien, on va de 29 815 à 36 815. Le prix de notre modèle d'essai, 36 815. Ouais. Fait que ce n'est plus donné à toutes les bourses. Les petites Civic abordables d'antan, c'est d'une autre époque. Oui. Okay. Moteur 1.5 litre, turbo, performant, économe de carburant en même temps. Vraiment, là, quand même, une belle motorisation de ce point de vue-là. Bon couple à bas régime. Oui, monsieur. Pour un 1.5 litre turbo. C'est une petite cylindrée. On ne le ressent pas trop. Il y a quand même un bon couple de ce point de vue-là. Une allure plus luxueuse que les générations précédentes. Une finition intérieure en progrès, beaucoup mieux finie qu'avant. Pas de craquement, vraiment, un assemblage de plus haut niveau qu'on s'attendait dans le passé. Voiture plus confortable également, équipement complet, une voiture qui est maniable, qui est plaisante à conduire. Puis de plus, ben, Android Auto, Apple CarPlay sont de série. Les comptes, bien, évidemment, c'est un haillon, voiture hatchback, fait qu'évidemment, la visibilité arrière est réduite dans la lunette arrière. Moins rapide que la génération précédente, okay? Peut-être un petit peu plus en bourgeoisie, mais quand même amusante à conduire. L'insonorisation, ben, un peu à peaufiner, pour ce qui est surtout sur l'autoroute. En ville, ben, évidemment, quand on fait ronronner le moteur, c'est tout à fait normal. Silhouette plus conservatrice. Niveau de l'électronique, ben, on a eu des petits bugs au niveau du système d'infodivertissement pour connecter tant un téléphone Android qu'un téléphone iPhone. Aussi, au niveau du système de sécurité en cas de collision, qui détecte des fois, on pourrait dire, des fantômes, des ghosts. Ouais. Et puis, pour ce qui était du cruise control intelligent, des fois, je n'étais pas en mesure de le mettre en fonction parce qu'il détectait de quoi qu'il n'y avait pas devant moi. Concurrence, bien évidemment. Pour ceux qui voudraient un modèle Honda hybride, il en reste quelques-uns chez les concessionnaires. Ça serait la Honda Insight. On pourrait penser à l'Honda Elantra également, oui. Kia Forte, oui. Mazda 3, oui. Nissan Sentra, Subaru Impreza, qui est sûrement la championne en hivernale, la Toyota Corolla pour sa fiabilité, et pour terminer, du point de vue allemand, la Volkswagen Jetta. Fait qu'on voit que c'est un créneau qui est en décroissance en Amérique du Nord. Par contre, évidemment, ben, c'est un créneau qui a encore sa pertinence. Oh ouais. Quelles sont tes premières impressions sur le Honda Civic Sport Touring 2022? Très bonne, Ross. Moi, je te dirais qu'on va commencer avec le look extérieur qui, moi, me plaît beaucoup, surtout derrière trois quarts. Je trouve qu'il est vraiment beau, vraiment classe. Moi, je trouvais que le dernier modèle
Avant, celui-ci était un petit peu trop genou. Lui, il fait, c'est plus mature. Moi, j'envisagerais avoir une voiture de même avec le look similaire. Belle grosseur de roue, 18 pouces, pas du 19 pouces. Je suis plus capable des grosses roues. Même 18 pouces, c'est un peu trop, mais je vais les prendre dans le contexte d'aujourd'hui, de toujours des plus grosses roues. Alors, bien à ce niveau-là, à l'intérieur, Ross, ben moi je te dirais, Ross, cette voiture-là, ça fait comme presque 50 ans maintenant qu'ils la font, puis on dirait que c'est toujours les mêmes ingénieurs qui le font, puis ils raffinent toujours de mieux en mieux. On sent vraiment que c'est bien pensé ici, il n'y a aucune erreur. On regarde surtout au niveau de l'ergonomie, puis dans les interfaces, puis dans la douceur des interfaces, cette douceur Honda, elle est indéniable. Quand on tourne, c'est jamais forçant. Quand on utilise la manuelle, c'est jamais forçant. C'est un plaisir à conduire. T'es en ville, puis c'est pas rushant. C'est probablement, en tout cas, la dernière transmission manuelle aussi plaisante à conduire. Ça n'a pas de bon sens. Parce que, évidemment, ce type de transmission, il voit disparaître en Amérique du Nord, même dans le monde. Et heureusement, on peut encore en profiter avec le manufacturier Honda qui fait ça de main de maître. C'est les meilleurs. Ouais. Et puis, moi, je te dirais, beau design avec la ligne de climatisation, des interfaces quand même de assez bonne qualité ici. Beau infodivertissement. Moi, je te dirais, l'infodivertissement, à mon avis, c'est vraiment le meilleur au niveau juste all around, la performance, les couleurs, tout, dans la catégorie du moins. Même chose pour le tableau de bord. Excellent, ce petit tableau de bord-là. Tellement charmant. Vraiment du charme dans ce produit-là. Les bancs sont moyens. J'ai déjà vu mieux de Honda, mais dans la catégorie, ils sont dans la bonne moyenne. Honda, normalement, toujours au-delà de la moyenne. Dans ce cas-ci, dans la moyenne. Le moteur, très bon, très efficace, puissant, c'est ce qu'on veut. Moi, je te dirais, cette autoroute, parmi ses concurrents, moi, je le trouve quand même assez silencieux. Ross, dans mon livre à moi, là, je trouve que versus... Peut-être, je ne sais pas, versus la Mazda 3, mais envers toutes les autres, c'est égal ou mieux. La suspension indépendante aux quatre roues, c'est vraiment winner. Ross, j'ai pas grand-chose négatif à dire de cette voiture-là. Bel espace en arrière, bel espace dans le coffre, convenable. Ouais. On a la fiabilité Honda non négligeable avec le prix de l'essence qui est à cause de la taxation capotée, le manque d'exploitation de nos ressources pétrolières et aussi des chocs mondiaux. Mais toutes ces trois choses-là ensemble, ça donne 2 $ du litre. Exact. La situation géopolitique dans le monde, nos mauvaises décisions font qu'on paye 2 $ le litre. Il y a un bout qu'on contrôle puis il y a un bout qu'on ne contrôle pas, puis c'est comme ça. Ross, tes pensées finales sur la Honda Civic? Bien évidemment, aucune restriction en location. À l'achat également, c'est une voiture qui est au-delà de la moyenne en termes de fiabilité. Vraiment, là, un choix. Moi, je trouve que c'est un excellent compromis pour quelqu'un qui ne veut pas un VUS, mais avoir un aspect pratique du VUS avec le coffre, l'aspect du haillon et du hatchback à l'arrière. Vraiment, là, une voiture qui me plaît et qui est très plaisante à conduire du même coup. Sans aucun doute, une excellente recommandation de notre part. Ouais, moi j'ai la même opinion que toi, Ross. Je pense que c'est un top 3 de la catégorie. Tu dois l'essayer et ça finit là. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et puis c'est tout.